Hey, j'espère que vous allez bien. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je pense que ça fait au moins 2 ans, si c'est pas plus. Mais là, j'avais vraiment envie de reprendre les vlogs parce que c'est vraiment quelque chose qui me manquait. Et voilà, le soleil est de retour à Paris. Il fait super beau, c'est incroyable. Et j'avais vraiment envie de documenter ces derniers moments de l'année scolaire vu qu'elle est bientôt finie. Et que ouais, j'avais envie de documenter mes péripéties en tant qu'étudiante ici. Et voilà, j'espère que le vlog sera un minimum intéressant et un minimum sympa à regarder. Je suis un peu désolée pour le plan là qui est catastrophique. Vous êtes posé sur une pile de livres devant mon ordi, enfin bref, ça n'a aucun sens. Mais voilà, c'est tout. J'espère que ça vous plaira. C'est une ville qui existe, enfin un village d'époque néolithique. Hey, du coup aujourd'hui on est vendredi 7 avril, je sais pas quelle heure il est mais il doit être genre 14h30, un bail comme ça. Et là je vais prendre le train pour rentrer à Lille vu que ce week-end c'est le week-end de Pâques. Comme ça je profite du week-end de 3 jours pour rentrer chez ma mère. Et en plus demain il y a les portes ouvertes de mon ancien lycée du coup. Donc ça va être sympa, je vais pouvoir voir mes potes, voir mes anciens profs et tout, plus faire visiter à mon frère. Donc très sympa.
Hey, du coup ça fait super longtemps que j'ai pas parlé face cam. Aujourd'hui on est samedi. Ouais, du coup je vais faire un peu un petit bilan de la semaine. Mardi je suis allée au musée avec Alix, on est allé voir les Trois Mousquetaires. C'était super sympa. Donc franchement si vous n'êtes pas encore allé, je vous recommande. C'était super cool. Je regrette un peu que le film soit si court entre guillemets parce qu'il dure quand même 2 heures. Mais j'aurais bien voulu que ce soit un peu plus long. J'aurais bien aimé un peu moins de Vincent Cassel, un peu plus de Romain Duris. Mais bon, c'est pas grave. Mais c'était très chouette. Après, mercredi, je suis allée au musée de l'Orangerie avec Alix aussi. On allait voir l'expo Matisse qui était très chouette. Je dirais pas décevante, mais je m'attendais à un peu plus. Mais c'était quand même très bien. Donc voilà. Et après, je suis allée voir Je verrai toujours vos visages. Il me semble que c'est le titre. Avec Gilles Lelouch, Leïla Bekti. Enfin, j'ai pleuré pendant tout le film, enfin pas des grosses larmes, mais genre larmes à l'œil pendant tout le film parce que c'est hyper touchant. Et pareil, super bien comme film sur la justice restaurative, etc. Donc vraiment super intéressant, pareil, je vous recommande grandement d'y aller. Donc vendredi, je suis allée au musée Marmottan-Monet avec Juliette, donc c'était trop chouette, on allait voir l'expo sur les néo-romantiques. C'était pas mal, super intéressant, c'est pas un courant que je connais plus que ça. Voilà, même si à la fin on a vu 2-3 œuvres de Léonore Fini, que j'adore, très très chouette, j'ai travaillé sur elle l'année dernière. Mais voilà, donc pareil, expo très sympa. Je crois qu'il y a tarif réduit pour les étudiants, sinon c'est gratuit pour les étudiants en histoire de l'art. Donc très chouette. Et voilà, aujourd'hui j'ai fait mon DM. D'archéologie du Proche-Orient ancien. C'était un peu chiant. Je fais une petite carte, voilà. J'ai pas filmé parce que c'était pas passionnant. Puis c'est tout. Ce soir, on sort avec Alix. On va tester une nouvelle boîte. Donc voilà, peut-être que je filmerai. À voir. Et voilà. Je suis désolée si ce vlog ne fait pas trop sens vu qu'il y a des plans par-ci par-là et que je parle pas tout le temps et que je fais pas des updates vraiment au fur et à mesure. Mais bon. Avec la péniche et tout en plus.